Chers tous, bonsoir Cash, en ce jeudi 14 septembre 2023. Soyez vigilants. Plusieurs personnes en ce moment sont nostalgiques de l'ordre ancien. Ils sont là, ils sourient, mais la tête n'est pas là. Ils sont pas d'accord avec ce qui se passe. C'est pour cela que j'ai insisté à dire qu'il faut d'abord nettoyer au niveau de la communication publique, la communication de l'État gabonais, les médias publics. N'en déplaise à certaines personnes, nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Nous voulons que le pays se porte bien. La preuve, aucune pédagogie n'est faite autour de la transition. C'est quoi la transition Que faut-il entendre par la transition du Gabon Parce que plusieurs personnes pensent que la transition, c'est déjà tout construire, tout régler, tous les problèmes. Il faut régler les problèmes, c'est vrai, mais il faut mettre les bases. Et c'est cela. Autour de nous, il y a des gens qui vont saboter l'action du président Oligingema. Les gens qui sont même autour de lui. Les gens qui vont dire nous, on le connaît, c'est notre parent, etc. Heureusement que les militaires et les généraux qui entourent le président de la transition sont des gens qui sont formés à canaliser, à gérer la pression. Nous, de notre côté, chacun doit être efficace dans son domaine. C'est pour cette raison, pour ma part, je dis... Ce qui importe, c'est ce pas d'abord la nomination à un poste, non, c'est d'être sur le terrain. Nous allons faire ensemble la bonne télévision et pour aider la transition à réussir. Aux tricheurs et aux bras cassés, aux intrigants, il faut les dénoncer pour que nous avancions ensemble. Il y a des bonnes personnes au PDG, il y a des mauvaises personnes au PDG. Il y a des bonnes personnes dans l'opposition, il y a des mauvaises personnes dans l'opposition. Il y a des bonnes personnes dans la société civile, il y a des mauvaises personnes dans la société civile. Ce que nous voulons aujourd'hui, vous avez occupé des fonctions un moment, allez d'abord à côté. On va prendre d'autres personnes. Vous n'êtes pas venu avec un titre foncier. Eh bien, s'il y a ceux qui menacent, si on ne me nomme pas, si on ne me maintient pas, je veux me suicider. Suicidez-vous, on va boire le café, on va faire le funérail, on fera le communiqué et on dira Amen, cache. Ensemble, soyons vigilants et combattons les nostalgiques de l'ordre ancien. Et cela doit se faire de façon cache.